La mission locale a souhaité donc nouer cette convention avec Bourgogne Intérim parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de jeunes à la recherche d'emploi avaient comme démarche initiale de se rendre dans une agence intérim. Alors ensuite, l'agence inscrit le jeune, tout à fait. Mais le jeune en question, suivant ses capacités, ses compétences, il trouve ou pas de contrat d'intérim. Et s'il n'en trouve pas, rien ne garantit qu'ils soient orientés vers la mission locale, où là, on pourrait donner un coup de main pour les augmenter en bénéficiant du diagnostic de la société d'intérim qui, elle, peut nous dire pourquoi elle n'a pas pu lui proposer jusqu'à présent de contrat, parce qu'il lui manque... Quels sont les freins ? Il manque quelque chose, il y a une compétence qui manque, il y a un permis de conduire, une mobilité qui est pas là, bref. Et donc, en quelque sorte, il s'agit que la mission locale bénéficie de ce diagnostic que fait la société d'intérim, et que par ailleurs, la société d'intérim ultérieurement bénéficie d'un jeune inscrit qui a augmenté ses compétences et donc peut plus facilement obtenir un contrat. Donc voilà, il s'agit d'éviter que des jeunes qui s'orientent vers l'intérim disparaissent du réseau mission locale dans lequel on peut l'aider à augmenter ses capacités et ses compétences. Et on remercie vraiment un régional intérim d'avoir compris la démarche et de nouer ce partenariat. Et on espère bien que les autres structures d'intérim, aiguillonnées par cet exemple, voudront bien faire de même. Voilà. C'est on parfait, signe. Vous avez tout dit. On signe. Bon. Alors, c'est un partenariat qui existait déjà avec la mission locale depuis de nombreuses années. On avait besoin d'officialiser les choses. On a une fiche de liaison qui se met en place quand la jeunesse vient à nous et en effet où il y a des freins, enfin tout ce que vous avez expliqué, je ne vais donc pas le répéter. On avait besoin de faire un petit bilan de compétences, de soulever un petit peu les freins. Et quand on envoyait donc à la mission locale, on avait besoin de ce retour. Donc ce n'était pas forcément évident. On ne sait pas si les jeunes y allaient vraiment, s'ils prenaient les rendez-vous. Donc voilà, avec Radouane, on avait décidé d'officialiser ça et ça se passe déjà très bien. C'est vrai que institutionnaliser le suivi, c'est aussi une manière, quels que soient ceux qui en sont responsables à l'avenir, que ça continue. Tout à fait. Voilà. Et ça illustre aussi quelque chose, si vous voulez, c'est que dans cette recherche pour les jeunes d'un emploi, pour les entreprises de salariés, c'est une affaire collective. Il y a des services de l'État qui sont en jeu, il y a évidemment des collectivités qui sont en jeu, la région, la communauté de communes, les municipalités, mais il y a aussi l'ensemble du tissu.